Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous embarque dans un nouveau vlog avec moi. Là dans même pas 10 minutes, ouais, dans 10 minutes je dois aller au bus pour aller à la gare et pour prendre le TGV pour Paris. Ce soir j'ai été invitée à une soirée, donc c'est la Beauty Cruise. C'est une soirée organisée par Octoly où il y aura plein d'autres youtubeuses, etc, des marques et tout ce que vous voulez, donc ça va être vraiment cool. Et voilà, faut que je me dépêche un petit peu parce que je suis un petit peu en retard. Je dois encore fermer ma valise, prendre mon sac, etc, avec mes chaussures, enfin voilà. Donc ben, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vous embarque avec moi aujourd'hui et ce soir. Hello, donc on se retrouve, donc je suis bien arrivée à Paris, je suis bien arrivée à mon hôtel qui est le Mama Shelter dans le 20ème si ça vous intéresse. Et vraiment j'aime beaucoup cet hôtel, la déco est super super belle, moi qui aime ça en plus. Vous voyez, c'est un peu atypique comme ça, les murs sont en béton, il y a du noir mat comme ça au mur. Et l'accueil c'est vraiment atypique comme déco, il y a un peu un mélange comme ça, c'est super joli. Donc là je vais déballer un peu mes affaires, me changer parce que si je suis un peu rouge c'est normal. En fait je m'attendais à ce qu'il fasse moche à Paris, qu'il pleuve ou qu'il y ait de l'orage et tout. Et en fait il fait même lourd en fait et j'ai super chaud là-dedans. Un pull comme ça avec un jean et des baskets, hein, c'est mieux pour prendre le train. Voilà, j'avais pas envie de mettre les talons tout de suite, donc voilà, je vais me changer. Et du coup ce qui se passe c'est que d'abord on a une espèce de goûter avec les autres filles qui seront présentes en bas là dans l'hôtel, donc voilà. Et plus tard vers 19h30, un peu avant, il y a une navette, un bus qui va nous chercher pour nous ramener au port Grenelle, je sais pas comment on prononce, sur un bateau où il y a la soirée, donc la Beauty Cruise de Octoly. Donc voilà pour ça, je vais vous faire un mini tour parce que la chambre elle est pas trop grande. Donc tout de suite à côté de la porte d'entrée on a un petit lavabo avec une petite plante, voilà, un coin comme ça. Ensuite la salle de bain, donc j'ai déjà mis mes petits habits pour après, donc qui est assez simple. Il y a la douche, voilà, le lavabo, voilà, c'est rien d'exceptionnel mais j'aime bien, c'est simple et de toute façon j'y passe que un jour, hein, donc voilà. Ensuite quand on sort il y a un petit miroir où on se voit en entier, c'est cool. Donc le mur, je vous ai dit, j'aime beaucoup leur déco, c'est vraiment trop beau. Un petit truc pour mettre les vêtements, voilà, ranger ses affaires. Et là on a le lit, donc voilà, c'est tout simple. Mais regardez les lampes qui sont vraiment trop drôles, quoi. J'aime vraiment beaucoup, et le noir mat leur mur, j'adore, ça fait trop chic. Avec le plafond nouveau en béton, j'aime beaucoup. Écoutez, je vous reprends tout à l'heure, j'essaie de vous filmer le maximum de choses. Je suis vraiment pas une experte en vlog, hein, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et que j'arriverai à filmer le maximum de choses. Bon, ça y est, je me suis changée, j'ai juste mis aussi un autre rouge à lèvres. Par contre, je l'ai re-rangé dans ma valise pour ne pas faire trop bordel. C'est un Melted Matte de chez Too Faced, c'est le Sell Out si je ne me trompe pas, ou le Cool Girl. Un des deux, j'ai un doute. Donc pour le haut, j'ai mis un haut comme ça que j'ai entré dans le pantalon avec mon gros collier de chez Mango. J'ai mis un gilet parce que je sais pas quel temps il fait dehors. Et sinon, j'ai mis un pantalon noir taille haute tout simple avec des talons comme ça que j'ai acheté chez New Look. Je ne les ai pas payé cher du tout d'ailleurs. Donc voilà pour ça, je vais y aller.
il est maintenant 1h du matin. Ouais, dans 5 minutes il est 1h. La lumière est dégueulasse et je suis super jaune. Mais voilà, il fait un petit peu nuit, hein, donc voilà. Et je suis sûrement mon maquillage a coulé. Enfin bref, on s'en fout. Je vais aller me démaquiller de toute façon. Donc je viens de rentrer dans ma chambre. Donc la soirée c'était vraiment trop cool. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. Et l'ambiance sur le bateau et tout. Toutes les filles étaient vraiment toutes gentilles. Enfin vraiment, j'ai adoré toutes les voir. Et donc voilà, c'est vraiment très bien. Donc je suis vraiment super contente. Du coup là, j'ai juste hâte d'aller ici dans mon lit parce que je vous raconte pas l'état de mes pieds, la souffrance de mes pieds à cet instant précis. J'ai vraiment souffert dans mes chaussures, donc j'avais celle-là, je sais plus, je crois que je vous avais montré mais je suis plus sûre. J'avais celle-ci que j'avais acheté à New Look si ça vous intéresse, donc 11 cm et il n'y a pas de plateforme devant, donc j'ai bien souffert, mais voilà, maintenant c'est bon, je suis rentrée, j'ai tout de suite mis pieds nus. On a aussi reçu quelques produits donc de la part d'Octoly avec toutes les marques qui étaient présentes ce soir, donc il y avait Clinique, Smashbox, Bumble and Bumble, il y avait Stellodaire et il y avait, je sais plus qui c'est que j'ai oublié, Clinique j'ai dit, je sais plus, Glam Glow. Ouais c'est tout, Glam Glow j'ai oublié, enfin bref, voilà, avec toutes les marques présentes, donc j'ai des petits produits, je vous montrerai ça de toute façon dans une prochaine vidéo, je vais pas commencer à tout ouvrir maintenant, je suis juste KO, j'ai juste envie d'aller dormir. Et là tout le monde, donc là on est le lendemain, je viens d'aller petit déjeuner, je me suis préparée, maquillée, etc. Parce que tout simplement j'ai mon train qui est à midi 55, chose comme ça, donc dans à peu près 1h30, donc voilà, je vais encore faire ma valise un petit peu, voilà, ranger toutes mes affaires et je vais prendre un Uber pour... aller à la gare parce qu'il y a au moins 25 minutes je crois de voiture jusqu'à la gare, donc voilà pour ça. Donc c'était vraiment super cool hier, je l'aurais dit encore une fois même si je l'ai déjà dit je crois hier, donc voilà, je vais pas revenir dessus, c'était vraiment très bien. Je pense que je vais du coup clôturer ce vlog ici parce que quand je vais rentrer chez moi je pense que je serai KO et que j'ai juste envie de prendre une douche et de me poser, donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Encore une fois je suis pas du tout une experte en vlog, hein. Voilà, je teste un petit peu pour voir ce que ça donne, je sais pas ce que ça va donner, les images au montage que j'ai filmé hier, je voulais aussi profiter de la soirée et pas tout le temps sortir la caméra, donc voilà, je vais essayer de voir comment je vais pouvoir monter tout ça, enfin voilà, au montage je vais voir ça, donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye.